devant un Mbappé. Ils sont très dangereux aussi sur leur centre. D'être français, d'être supporter de l'équipe de France. Et accessoirement, merci à la ville de Laurent pour avoir organisé ça. Ça fait longtemps qu'on espérait, longtemps qu'on attendait. Moi, ça fait 20 ans que je l'attendais, cette deuxième étoile. Maintenant, voilà. Comme je disais, moi et mon ami, on était déjà vivants en 98 pour vivre ça, mais je dois dire que c'est vraiment exceptionnel à chaque fois. Moi je pensais vraiment qu'on allait passer, je vous disais tout à l'heure, beaucoup plus que 20 ans pour vivre ça, et là vraiment, on va fêter, c'est exceptionnel, c'est magistral, vraiment, vraiment. J'ai vibré, même si on a vraiment souffert. Elle n'a pas fait un grand match, et il y a eu quand même fait de jeu, le penalty, on peut discuter. Par contre, moi je retiens une chose, j'ai découvert le foot avec Deschamps en 98, j'avais 12 ans, je ne connaissais rien au foot. J'ai découvert la Coupe du Monde avec le 8e finale contre le Paraguay, et j'ai été accroché. Et là Deschamps, il me ramène à 98, et voilà, c'est un beau match. Bon, maintenant, c'est du foot, c'est du sport, c'est merveilleux. Il va falloir qu'on fasse la fête. Voilà. Et derrière, il ne faudra pas oublier que c'est que du foot, et qu'il y a beaucoup de choses à faire en France, et qu'on va pas tout dans le bon sens. C'est incroyable, je ne suivais pas beaucoup le foot avant la Coupe du Monde, et là, il y aura un tel moment avec autant de gens autour de nous, tout le monde nous parlait de 98 et nous vivre ça maintenant, c'est incroyable. Elle a fait un match moyen, mais elle a su mettre les bonnes frappes au bon moment et c'est le plus important, elle a bien défendu tout ça, donc ça, c'était génial. J'aurais pu être chez moi, regarder devant la télé, ça aurait pas été pareil, tout ça, être ici là, regarder ce match, c'est un beau match en plus, la Croatie a été un sacré adversaire, du coup c'était génial, vraiment très joli match.